Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager une pépite de sagesse que j'ai trouvée dans ce très bon livre, Le chat du Dalai Lama de David Michi. Je te fais un résumé sur le blog Du Bonheur et des Livres. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà, pour moi, c'est un livre à lire absolument et à relire encore et encore et encore. Et donc la pépite dont je veux te parler, ça va être la culpabilité. Et en fait, David Michi, dans ce livre, va nous dire une chose très claire. La culpabilité est inutile. Et en fait, il explique que, comme Brian Tracy dans son livre Embrasser le crapaud, que en fait, ça ne sert à rien de nourrir des émotions par rapport à quelque chose qui s'est passé et qu'on ne peut rien changer. On ne peut pas changer le passé, quand bien même on va y réfléchir des heures et des heures et des heures et créer des scénarios, ça... on ne pourra rien changer. En fait, il explique que du coup, il faut remplacer la culpabilité par des regrets. On peut regretter des choses. Il est inutile de se sentir coupable de quoi que ce soit. Par contre, il est utile de regretter certaines choses du passé parce qu'en fait, ces regrets vont nous permettre de nouer de nouveaux engagements dans notre présent. Par exemple, si on s'est mis en colère dans le passé et qu'on regrette cette chose-là, on regrette de s'être mis en colère, par exemple, contre un de nos parents, eh bien, notre nouveau engagement, c'est peut-être voilà, d'avoir plus de compassion et plus de bienveillance dans les relations qu'on peut avoir avec notre parent. Donc voilà, donc je t'invite à faire un petit tour de ton passé. Quelles sont les choses dont tu te sens coupable? Comment tu pourrais transformer cette culpabilité en regret? Et ensuite, pouvoir vivre en paix avec ses regrets car tu noues voilà, de nouveaux engagements pour le présent et le futur et voilà pour t'améliorer et pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine petit à petit. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain dans la prochaine. Salut !